Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation une fois de plus du système de transport à corps innovant Skyway. Alors déjà, je suis arrivé plus sur commencer à cette heure parce qu'il y a eu quelques soucis de connexion. Donc, j'espère que vous avez pu voir cette vidéo introductive de la technologie à corps de Skyway. Dans cette vidéo, il était question de voir les différents engins, les différents types de modèles de véhicules utilisés dans cette technologie à corps. Alors, pourquoi est-ce que j'investis donc dans ce projet à corps Skyway? Eh bien, tout simplement,
J'investis dans la technologie Accor, dans le système de transport innovant Skyway, aujourd'hui parce que c'est un avenir sûr pour moi et pour toute ma génération. Pourquoi? D'abord parce que c'est une opportunité assez rare de devenir propriétaire d'une technologie de croissance comme celle-ci, de transport comme celle-ci en pleine croissance. Et aussi parce que c'est un système de transport qui permet de protéger notre environnement contre les gaz à effet de serre et je veux dire que c'est un système de transport vert. Voilà pourquoi j'ai ce penchant vers l'investissement dans cette belle technologie Accor. Alors, sans trop tarder, nous allons parler donc justement de cette technologie Accor. En quoi est-ce que elle permet donc d'être un avenir sûr pour moi et toute ma famille? Et aussi, en quoi est-ce que ce système de transport est écologique? Quels sont donc les différents problèmes que ce système de transport vient résoudre? Qu'est-ce qui le différencie des autres systèmes de transport existants aujourd'hui? Alors, dans cette présentation, nous verrons donc les apports du système de transport Skyway, les différents apports que ce système apporte pour pouvoir résoudre les problèmes du système de transport conventionnel, moderne, et même projet. Alors, nous les citerons, ces différents problèmes, et nous verrons comment Skyway vient les résoudre. Nous verrons que le système de transport Skyway s'adapte facilement à n'importe quel type de climat, à n'importe quel type de sol. Et aussi, à la fin de cette vidéo, bien évidemment, pour vous, j'ai préparé une petite vidéo de présentation de l'engin Skyway qui va le plus vite, le transport de passagers, à savoir le High Speed Unibus, minibus à grande vitesse qui peut pousser sa vitesse jusqu'à plus de 500 km. Donc, sans trop tarder, nous allons débuter. Alors, qu'est-ce que Skyway? Eh bien, le système de transport Skyway est un transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. Ceci permet donc d'écouler au-dessus du sol, d'éviter les embouteillages et l'espace qui reste en bas peut être utilisé pour autre chose. À l'extérieur de l'élevage, ce qui est déjà un grand atout. Et aussi, il faut savoir que ce système de transport peut être construit sur n'importe quel type de terrain, avec n'importe quel climat. Où est-ce que cette technologie vient donc? Eh bien, depuis 1914, quelqu'un y avait déjà pensé, mais cela restait juste sur le dessin. Regardez là, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniev produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés donc par un artiste scientifique. C'est ainsi qu'on peut le voir qu'elle a représenté le monde dans un avenir proche. On voit là une estacade ajourée avec un wagon suspendu. Faut savoir aussi que dans la boîte à bonbons, il y avait plusieurs illustrations. Il y avait plusieurs illustrations, autant pour moi, dans la boîte à bonbons. Et sur chacune d'elles, il a représenté ce transport inhabituel qu'on voit là au-dessus. L'axe donc, avec prédit, avec précision, ce qui s'est passé sur Terre. Le pandémonium des hommes et des machines. Sur cette image qu'on peut voir là, on se rend compte que les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayer de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit même tramway céleste.
cette situation qu'on peut voir là ne nous est pas du tout indifférente. Au contraire, chaque jour qui passe dans nos vies, on a affaire à des embouteillages. Il faut savoir que ceci, c'est notre monde. C'est causé par le transport de niveau 1, celui qui se déplace directement au-dessus du sol. Heureusement, le système de transport Skyway vient occuper l'espace d'au-dessus du sol qui, grâce à Dieu, est encore inoccupé jusqu'à présent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque année, près d'1 million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Et les fondements de transport donc affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont donc obligés d'attendre chacun leur tour, de rappeler les uns après les autres. Le système de transport Skyway permettra donc de décongestionner les ports avec ce système de transport uniforme et unifié. On en vient. Déjà, ici, nous pouvons citer les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité pouvant donc causer la mort. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, quant à elle, vit sa vie et résiste à l'homme. On peut voir là déjà, en temps de neige, comment les routes sont bouchées. Dans le désert, les sables qui envahissent les routes et parfois les ponts qui sont construits se détruisent. Cependant, l'homme reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il commence à tuer le monde dans lequel il vit. Le poison, aucun moment qu'on utilise aujourd'hui, est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Ce qui nous amène donc au troisième problème du transport moderne aujourd'hui, à savoir la pollution de l'environnement. Déjà, il faut savoir que le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture sur une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de résoudre ce problème serait de réduire, de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi donc, nous passons au quatrième problème, qui est celui de réduire la consommation d'énergie. Un fait est clair, c'est que avec tous les grands édifices que nous avons, avec tous les types de voies qui ont déjà été mis sur pied, pouvoir résoudre les problèmes du transport moderne, pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, on se rend compte que malgré ces différents systèmes, il y a toujours eu des manquements. Okay? Et dans différentes années et différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose de route à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la non-route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de construction restent carrément évidents. Des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et aujourd'hui en Chine, un tramway avec des routes sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. C'est là la seule différence. Les tentatives de solutions existantes que nous avons aujourd'hui sont toujours avérées inefficaces.
Voilà pourquoi j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous parler de la technologie des transports, ramener en 1950. Regardez ces images. Ces photos n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous embrassez donc ces enfants italiens qui traversent la rivière, leur roue, leur simple roue boulot par les roues. Moteur obtient donc un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce système de transport avec le télépérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le sol pour le télépérique, pour les voitures du télépérique. Et pour le funiculaire sur le flanc des montagnes. Alors, le transport que nous allons donc étudier aujourd'hui est un transport qui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant d'entrer dans ce vif du sujet, j'aimerais une question d'Anatoly Vinitsky, qui est le concepteur général de Skynet. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que l'aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, posons donc le problème. Le problème ici consiste donc à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, nous le savons bien, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore pour pouvoir réaliser l'alignement du sol lorsqu'on veut faire passer une route. Ces images, on peut donc voir tout cela. La deuxième étape consiste donc à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et ensuite, c'est seulement à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser donc passer le roulé, le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Pour pouvoir continuer donc, rappelons-nous d'abord la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière vue précédemment, avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on peut utiliser plutôt un câble. Okay. Et par la suite, les supports lourds ne seront pas nécessaires. On les remplace donc par des supports légers. La prochaine étape consiste à étirer le câble le temps qu'on le corde d'une guitare. Ils vont donc ensuite les extrémités du câble dans le sol, comme sur le corps de la guitare. Nous arriverons donc les supports intermédiaires qui n'étaient pas du tout nécessaires
Et là, nous plaçons nos câbles dans une enveloppe. Nous obtenons donc ainsi une structure de rail. Voilà déjà en section cette structure de rail à corps constituée du corps du rail, des bords de proprement dit, la tête du rail et de la visseuse. Il faut savoir que trois variantes de trajet de cette technologie à cordes sont peuvent être mis sur pied, à savoir la structure à cordes rigide, semi-rigide et flexible. Cette image, vous pouvez voir les dimensions réelles du semi-rail rigide, du rail semi-rigide et flexible. Cette image que vous voyez là est un photomontage, présentant donc des haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule trame. Par contre, donc, cette photo que nous voyons là, ce n'est pas un photomontage, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'éco-technoparc de Skyway, dans la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive du rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas les bruits caractéristiques, nous n'entendrons pas les bruits caractéristiques des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Et bien évidemment, je crois que vous en doutez, la technologie, la conception a un système anti-déraillement spécial. Bien. Il faut savoir qu'il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la rame suivante. On peut choisir donc de diviser la grande composition en wagons automoteurs, séparer et les envoyer les uns après les autres dans un intervalle de 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique aujourd'hui, avec le développement de la technologie informatique aujourd'hui, donc, l'automatisation complète du processus ne sera pas difficile à mettre en place, ainsi que tous les systèmes logistiques. Avant de continuer, j'aimerais que nous revenions sur fameuses photos qui sont familières. Ceci, que vous voyez, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour pouvoir réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique de l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant de vent complexe autour du corps de la machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. On voit déjà ici, sur cette image, nous position de traînée d'une autre unibus à
vitesse Skyway qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture moderne et conventionnelle. Sur le transport de second niveau d'eau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la souterraine permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc en grandeur réelle l'appareil qui vient d'être montré sur le schéma précédent. Cette photo a été prise en vidéo aussi, toujours dans les côtés de nos parcs d'escalier. En 2018. Et il faut savoir que ce système de transport permettra d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Cette image montre donc les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Maintenant, rappelons donc les problèmes liés au transport moderne, à savoir la surcharge devant le transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Sur ces différentes histogrammes, ces différents diagrammes qu'on voit là, vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport accorde Skyway au Le transport accorde que Skyway Pro est un convert. Skyway a donc la solution la plus optimale que ce soit. Au niveau du coût du capital, le coût des opérations, la consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et aussi, surtout, le taux d'accident de transport. Skyway est peu en deux, je fais quelques rondes pour voir à quel point le système de transport pour Skyway est optimal. Bien, ici on a aussi une autre comparaison, un autre graphique qui montre clairement l'avantage du transport à port par rapport aux autres systèmes de transport en termes de coût de distance et du temps de délivrance. Bien, maintenant, nous allons faire aussi une comparaison du système de transport Skyway avec les autres types de déplacements terrestres et multimodales, à la fois opérationnels et collectifs. On a en question ici le monorail, à lévitation. On a le rail à lévitation magnétique. On a l'hyperloop, qui est un projet américain que je crois que tout le monde connaît bien. Et nous avons aussi le transport à bord de Skyway. On se rend compte que le système de transport à bord de Skyway est le plus sûr de l'âge de tous ces différents systèmes. Et son adaptabilité, l'adaptabilité peut être construite sur n'importe quel type. Donc les autres, il faudrait que ce soit un transporteur. Ensuite, les vitesses du transport à bord Skyway peuvent atteindre jusqu'à 1200 km/h. Et enfin, un point crucial, le coût par kilomètre. On se rend compte que le système de transport Skyway a un coût par kilomètre de construction qui est près de 10 fois inférieur à celui des autres systèmes de transport modernes à la fois projetés et opérationnels. Bien, nous pouvons donc dire que le système de transport Skyway de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Avant donc de pouvoir continuer, comme je le dis toujours à tous ces meilleurs tout à l'heure, voici donc celui qui est responsable de cette technologie, auteur du projet Anatoly Gnezdy. Il a fallu 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. 40 ans, imaginez, c'est
pour décrire le temps et ce travail que tu vis. Les détails de sa biographie et les développements peuvent être trouvés sur le site de l'ingénieur en question, l'unisci.ing. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement friands et curieux avec des calculs bien détaillés. Alors, le système de transport à bord de Skyway n'est jamais supplié 7 modes de transport pour les passagers. Okay, ils ont déjà été développés et testés. Ceci, ce sont des images. Et dans la vidéo qui suit, vous verrez la présentation de ces différents systèmes de transport en grandeur réelle. Ces images sont des images réelles. Et on a là les différents systèmes de transport. Déjà, on a le Niwi qui prend 2 places et peut aller jusqu'à 150 km/h. L'Unibike, 2 places, 150 km/h. L'Unicar, 6 places, 150 km/h. L'Unicar, aussi un autre modèle, 18 places, 3x6, qui peut pousser sa vitesse jusqu'à 150 km/h aussi. Et on a un Unibus de 14 places qui va jusqu'à 150 km/h. Ici, on voit les différents modèles de transport de marchandises, de conteneurs. Et là, on a donc l'Unicom, l'Unicru, deux modèles et l'Unitrans. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol et au-dessus de l'eau sans intégrer avec les autres modes de transport. C'était donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Déjà, en parlant donc de ce système de transport pour le transport des marchandises, je tiens aussi à rappeler que déjà l'entreprise Vistissier Technologies a déjà fait une proposition de ce nouveau système de transport utilisant les véhicules uniquement pour le transport de conteneurs sur le canal de Suez suite au dernier désagrément qu'il y a eu, je crois, le 24 mars dernier, où le canal de Suez a été bloqué pendant 5 jours pour d'énormes pertes d'argent. Clairement, alors, c'est ce système de transport là où il est adopté par les entreprises qui utilisent ce canal de Suez pour le transport de leurs marchandises, de leurs conteneurs. Alors, nous qui sommes investisseurs aujourd'hui, nous sommes bien partis et voyant toutes les caractéristiques. Que le système de transport Skyway a aujourd'hui et tous les impôts qu'il apporte, les coûts réduits de construction, il ne peut qu'être accepté. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour le système de transport. Pour le transport à bord, il n'est pas nécessaire d'individuer les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche pétrole du sol. Il a besoin de l'accès le plus minimal qui soit au sol. Et avec les méthodes modernes de division de structures, de construction par les drones volants, étant aussi fournis par la technologie, il n'est donc pas nécessaire de poser des voies d'accès aussi d'installation de support. Le transport à cordes Skyway s'intègre facilement à la fois dans les usages naturels et dans les infrastructures urbaines. Et à ses propres supports, il peut donc traverser les bâtiments sans charger la formation. Regardez bien cette image. Au début de 2020, le transport à cordes Skyway a été présenté à 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour, où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ont été prises en 2018 avec l'heure de l'exposition Innofrance. Notez la photo en haut à gauche.
on voit les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction de l'escalier. Bien sûr, il est impossible de passer devant l'appareil frappant de forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui évitant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests. Les documents confirmant que le transport rapporte à partir des tests peuvent être facilement trouvés aussi sur le site ministry.ign. Bien, la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur le projet Skyway a été calculé et évalué à une valeur de 400 milliards de dollars. Cet audit a été effectué par un cabinet d'audit financier indépendant russe. Et voilà le lien vers le site de ce cabinet d'audit. Et celui-ci fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit et de conseils estimés de Russie. Un autre audit a été effectué par KPMG, qui est aussi l'un des 4 plus grands cabinets d'audit du monde entier, à côté de Deloitte, Ernst & Young et PwC. Et j'ai établi que, bien évidemment, la propriété intellectuelle donc de l'ensemble des travaux sur Skyway peut être évaluée à une valeur de 400 milliards de dollars. Alors, la technologie de transport à cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Ceci, c'est l'un des différents brevets. Elle a aussi plusieurs certificats et plusieurs récompenses. Je tiens vivement à rappeler que tous ces brevets et certificats de récompense qu'on peut voir ici ne sont qu'un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pourrez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener un tel travail titanesque. Et pour ce faire donc, la société Unistitching Technology a été créée à Minsk, République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 employés professionnels hautement qualifiés et la structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété intellectuelle des bureaux et de production couvre une superficie totale de 10 000 mètres carrés. Carrément énorme. Dans sa propre production, l'entreprise Unistitching Technology qui développe la technologie à cordes Skyway a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et des passagers, le transport urbain, interurbain, à grande vitesse et à hyper vitesse. Le transport suspendu est monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont actuellement en cours d'exécution. Non loin de Minsk se trouve le Centre d'essai et d'innovation technologique, encore appelé Ecotechnopark, qui est le premier site d'essai de certification et de démonstration de la technologie à cordes Skyway. La photo que vous voyez a été prise en 2016 et la maquette du centre d'essai de véhicules construit est là, comme vous le voyez. Et alors, 3 ans plus tard, cet endroit ne peut plus être reconnu. On voit que tout est déjà monté. Tout est fait, l'Ecotechnopark est vivant. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, qui est un événement qui rassemble de nombreux investisseurs pendant lequel le CEO, on appelle Yves, qui prend la parole, répond à quelques questions des investisseurs. Il vient voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe.
L'Écofest avait été programmé pour 2020, mais suite au contexte sanitaire, il a été annulé à la portée pour 2021, exactement pour cette année encore. Cette année, ce sera effectif. Et puis une délégation, bien évidemment, du Cameroun pourra s'y rendre. Parce que nous, ici au Cameroun, je suis Camerounais, nous travaillons aussi activement dans le développement de ce projet, pouvoir parler de ce projet au maximum de personnes possible, leur faire comprendre que nous avons affaire à une opportunité, voilà, mais pas du tout en chaque année, donc, lors de l'Écofest, plusieurs choses nouvelles sont montrées aux différents investisseurs. Alors, en septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation Skyway aux Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation Skyway de Sharjah est un groupe de recherche et de production. Il deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez là sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Ce système de transport a déjà été approuvé actuellement. On est en test du transport de contenu. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que la technologie Skyway peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète, du désert chaud au péri-sol. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. S'adapte tellement facilement à l'environnement et dans un avenir pas si lointain, il ne se prendra plus. Il s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et nous y serons habitués, tout comme nous sommes habitués aujourd'hui au métro ou au tram, mais plus du tout. Alors, ce petit graphe permet de voir l'évolution du projet qui, dans le financement participatif, a commencé depuis 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et nous sommes à l'avant-dernière étape du développement du projet. Je fais des étapes sur 15 étapes, nous sommes à la troisième étape, 14.1. Et bientôt, dans 3 mois, nous recevrons la dernière et 15e étape. Alors, le moment d'investir dans le projet Skyway, c'est maintenant. Afin de devenir copropriétaire de toutes les technologies que l'entreprise réalisera. Je tiens à rappeler que le transport, par contre, n'est qu'une technologie que l'entreprise développe. Il y en a plusieurs autres tout autour. Alors, afin de devenir propriétaire de toutes ces technologies présentes et futures, je vous invite à investir avant la fin de l'étape 15. Investir maintenant, parce que demain, il sera trop tard. Aujourd'hui déjà, l'entreprise Unisys Technologies a des contrats signés avec plusieurs pays partout dans le monde, à savoir les Émirats arabes unis, comme expliqué cela, l'Estonie, le Vietnam, la Finlande, la Russie, la Slovaquie, le Kenya et aussi le Nigeria. Nous allons donc terminer en disant que ce système de transport à bord de Skyway est un transport tout d'abord innovant, parce qu'il permet, etc. Avant, nous sommes en train de créer une industrie de transport qui n'est pas indifférente dans son potentiel aux industries de transport, autoroutes, ferroviaires. Et à une autre. Le potentiel que Skyway a aujourd'hui est le même potentiel qu'avait l'industrie aéronautique à son arrivée. Qu'avait le système ferroviaire à son arrivée, qu'avait le système d'autoroute à leur arrivée.
Par contre, c'est l'état solution, nous avons bien vu l'avantage de celui-ci donc. Et il est sûr, efficace, facilement intégrable et aussi écologique. Nous allons donc terminer par cette vidéo, présentation de l'unibus à grande vitesse de Skyway. Il peut pousser sa vitesse jusqu'à 500 km/h. Je vous laisse regarder.